J'avais que. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos. En même temps, tombant seulement du lit. Mais ça, c'est urgent. Ce que j'ai à dire, c'est urgent. Celui qui va écouter, c'est. Celui qui n'écoute pas, il va seulement utiliser ses larmes pour pleurer. Beaucoup dormi. Seigneur m'a réveillé à 4h40, comme ça là, ou là, ou dans ce message. Il constitue jusqu'à 23h hier, donc. Recevez seulement ceci comme ça vient là. Je lance juste le direct. Bon. Juste pour connaître tout ce que je parle est vrai. C'est quel genre de question ça? Rien Mani Congo. Tu es sûr que tu t'es pas trompé de page? Tu dis juste connaître tout ce que je parle est vrai. Ça veut dire quoi? C'est quel genre de français? Je comprends pas. Ok. Donc hier. J'ai parlé avec une amie qui se trouve à l'étranger. Et elle était en présence de sa fille. Et sa fille était en train de lui donner des. Sa famille, en fait, était en train de lui dire pour la énième fois que voilà, tu es manipulé par ta famille. Parce qu'elle voulait, il y a une décision qu'elle devait faire, elle voulait donner quelque chose à son frère. Et sa fille est en train de lui dire, ne donne pas. Et sa fille lui donnait les raisons pour lesquelles elle pense que ce frère-là n'aime pas sa mère. Et bon, la mère avait des raisons, genre, non, c'est mon frère quand même, voilà, on a grandi ensemble, il m'a fait du bien, il a fait ceci pour moi. Et la conversation, vraiment, c'était pas, on n'était pas le sujet principal, mais on a fini par arriver là-bas. Et là, la mère se tourne et me regarde et me demande, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois suivre mon frère ou est-ce que j'ai écouté ma fille? J'ai fini de parler avec cette dame. Je pars me coucher. En me couchant, généralement, je mets des messages que j'écoute. Donc, le message que je mets dit ceci clairement. Quittez les membres de votre famille car ils sont méchants. Je mets le message, j'écoute, je vais écouter jusqu'à la fin, mais quand j'écoutais, le Seigneur était en train de mettre la conviction dans mon cœur. Beaucoup d'entre vous, votre mal ne vient pas de loin. Beaucoup d'entre vous, les gens qui vous font du mal et qui peuvent vous manipuler le plus sont vos frères.
entrailles. J'espère que vous savez ça. Pourquoi? Parce que tu as grandi avec lui. Et il y en a parmi eux, ils connaissent comment vous fonctionnez. Ton frère sait que quand vous étiez petit, il te faisait du chantage, il te menaçait, tu prenais ta viande, tu lui donnais. Bonjour, monsieur de la Côte d'Ivoire. Ta soeur connaît que c'est toi qui faisais ces travaux pour elle à la maison. Ce qui fait que même jusqu'aujourd'hui, quand il y a des choses dans sa vie qui ne vont pas, elle te contacte. Bonjour, le roi Antoine. Elle te contacte. Elle te fait genre vraiment. Il suffit qu'elle te raconte son problème. Tac, dès qu'elle te raconte là. Et vous savez, il y a la manipulation inversée. Ces personnes-là qui vont. Vraiment, j'ai besoin de toi. Vraiment. Mais leur façon de parler, c'est genre, la personne va t'expliquer son problème. Et la personne sait que tu es quelqu'un que tu aimes toujours te prêter pour aider. You like to step in, comme on dit en anglais. Tu ne peux pas entendre que quelqu'un a des problèmes, tu ne l'aides pas. Tu as l'impression que tu ne dois même pas écouter. Bonjour Boris. Tu ne dois pas écouter certaines choses ou certains problèmes ou certains films. Ou certains... Parce que dès que tu vois, tu veux aider. Ouais, voilà. On voulait acheter le ticket pour partir, mais arrivé en route, quelqu'un nous a soutiré de l'argent. On a volé les 500 000 du billet d'avion. Elle te raconte comme ça parce qu'elle sait que en toi, il y a quelqu'un de généreux. Quand tu écoutes comme ça, tu vas te dire, oh, bon, ça ne t'inquiète pas, je t'envoie les 500 000. Vous êtes accompagné par des maîtres manipulateurs. Même si tu es costaud n'importe comment. Tu es un homme, tu es une femme, peu importe ta grandeur. Et en tant que choisi, ça impacte ton travail spirituel. Ces personnes-là que tu connais, avec qui tu as grandi, ils te connaissent comme l'ancienne fille qui était vulnérable. Va un peu devant ta famille, tu dis que tu t'appelles reine Kéliane ou bien reine Florence. On dit, Florence, viens. N'est-ce pas que vous suivez une femme en ligne et vous dites que vous êtes reine? Tu es reine que qui t'a mis reine? Bonjour Stéphanie. Florence, récemment j'ai dû recadrer une ancienne connaissance comme ça. Je lui ai dit, toi tu m'as connu il y a cela 5 ans. Excusez-moi, je m'appelais Jocelyne. Quand il m'appelait coach, tu avais la peine à m'appeler coach. Maintenant qu'il m'appelle reine Jocelyne, tu vas m'appeler reine, tu peux m'appeler reine, je vois parce qu'on a traité ensemble. C'est mon nom, reine Jocelyne. Je n'ai pas dit que je suis ta reine. C'est comme si tu vois un docteur. Tu dis docteur tel. C'est un docteur, non? Est-ce qu'il dit qu'il est ton docteur? Soit il voit les inbox sur ça. Eh bien, Jocelyne, tu as connecté? Je ne suis plus Jocelyne là. Je vous dis que je suis en train de parler en direct comme ça, mais vous pensez que je parle de votre vie. Hein? Je parle de votre vie. Et c'est vrai que ça paraît marrant. Mais votre famille, c'est les premiers éléments de blocage qui vont empêcher que vous évoluiez.
Certains parmi vous, il y a même vos pères que vous devez éviter. Le père. Parce que le père, là, quand il te voit, dans ta tête, tu redeviens la petite fille. Tu redeviens petite. J'ai une cousine que j'ai arrêté de parler. Like, I just ghosted her. Like, I don't feel like talking to her. Voilà, c'est ton cas à toi. On te dit que tu es reine de qui? Que tu mets la couronne, que qui t'a mis ça? Voilà. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est ce qui gâte ta vibration. Tu m'écoutes depuis un an, ta vie n'a pas changé. Ce n'est pas la blague. On te dit, ah, pourquoi tu es la petite fille que j'ai portée? N'est pas où changer tes couches ici, là. N'est pas tu partais regarder les dessins animés chez les voisins. Tu t'asseyais au sol. Tu viens ici, tu veux nous montrer pourquoi? Parce que tu as vu une femme sur TikTok qui te dit que tu es une reine. Tu es reine de qui? Tu as quoi? Parce que l'affaire là, tu dois d'abord te reprogrammer mentalement avant que ça se manifeste. Tu dois te reprogrammer mentalement avant que ça vienne. Il y a même une là, elle partait chez sa femme, je sais pas, une réunion familiale, un truc comme ça. Elle a acheté le doc. Elle s'est filmée, elle a mis sur sa photo de profil ou bien sur sa tante la prend en inbox. Tu mets ça sur toi, pourquoi? Qui t'a donné? Je lui ai dit qu'il fallait le tenter de partir au village avec ça en réunion familiale. J'ai aussi un autre frère là, une fois. Il a une famille de 17 icônes jaloux. Et il met son dope, il met ses habits au royaume tout le temps. Maintenant, il est en train de partir au village pour faire un salaka. Là-bas, il allait voir ses oncles. En prenant ses habits, il dit, bon, je vais mettre le double tel jour. Je lui dis, papa, si tu oses, tu vas voir, ils vont tout faire pour te descendre. Cache. Et les choses qu'ils vont te dire là-bas, ça va rester dans ton esprit. Certaines de ces personnes-là sont des gens que vous respectez beaucoup. Ce sont des gens qui vous ont élevé. Bonjour, Simplice. Ce sont des personnes qui ont compté pour vous un moment, que vous avez écouté. Avant de trouver votre vie, votre voie. Ce sont des personnes qui vous voient toujours comme la petite fille là. Petite fille faible. Tu n'es plus cette personne. Tapotez mon direct. Merci à ceux qui tapotent. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai fait 3 mois avant de rencontrer mon père. Le jour où on se rencontre, je rentre, je fais une dépression de 2 jours. Je tape une dépression de 2 jours. C'est là que l'esprit me dit que tu comprends pourquoi on t'a fait ne pas partir le voir tôt. Voilà, on a dit que le top que tu mets là, que ne cherche pas ce qui va te dépasser, non. Ils sont là, ils vous attendent. Ils vous attendent au... spirituellement, hein, ils voient vos statuts 2-3 fois là. Ils tendent, ils savent ce qui est en train de se passer. Certains d'entre eux savent que vous êtes sur ma page, vous me suivez. Ils savent que vous me suivez. N'est-ce pas, je suis la petite, beaucoup de personnes me connaissent. Ils ne vont pas liker ma page. Ils ne vont pas liker mes vidéos. Ils ne vont pas commenter. Pourquoi on ne me donne pas même, ok, que ma vidéo ne soit pas visible. Mais ils connaissent tous mes mouvements. Ah, la
la petite fille là qui fait les vidéos sur les réseaux sociaux là. Ah, donc Dieu veut que tu la suives. Ils me connaissent. Je vais vous donner votre pouvoir. Voilà. Te voilà, tu doutes de toi. Et les membres de ta famille te connaissent. Les membres de ta famille te connaissent. Voilà, que oh, n'est-ce pas, tu laves déjà ta face, non? On attend la suite. Voilà, ils attendent votre chute. Et certaines de ces personnes ont bloqué vos parents, n'oubliez pas, vous vous traurez. Certaines de ces personnes ont bloqué vos parents. Donc ils sont déjà à la troisième phase de leur blocage autour de toi. Rose, bonjour. La dame était là. Pendant que sa fille lui expliquait que non, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas donner ça à ton frère et tout ça. Je sentais comment elle se sentait mal. Et beaucoup d'entre vous, votre famille vous a emprisonné. Il y a certains membres de votre famille, vous savez, les gens viennent avec leurs esprits. Il y a certaines personnes de votre famille qui ils ont l'esprit très fort. Ils sont très, très, très dominateurs. On dit que ton influenceuse est. Donc, il m'appelle ton influenceuse. Ok. Et cet esprit qui est dominateur veut seulement t'appuyer. Mais toi-même, tu ne sais pas. Hein? Tu es là, tu tolères. Quelqu'un ne te donne pas de respect. Tu es là, tu cours derrière lui tous les jours. Karine, bonjour. Karine, I'm good, thank you. Non, j'ai passé seulement pour voir. Il a perdu sa belle-mère. Il ne t'a pas appelé pour t'informer. Tu as suivi dans les coulisses. Dès que tu suis, tu cours chez lui. Il ne veut pas te voir, ma chérie. C'est pas parce que c'est ton frère. Certains d'entre vous vous accrochez tellement. Certains d'entre vous, ton père connaît que dès qu'il va te dire que, dès qu'il va parler un peu d'une certaine façon, il y en a parmi vous. Vos frères utilisent vos parents contre vous. Ils partent. Il voit comment tu as fait les choses avancent. On vient parler à ton père. Est-ce que tu sais que Rosiana, elle est maintenant magnétie. Ah, regarde, j'ai vu, elle a mis les habits dessus. Elle est partie en France seulement pour faire le magnétie. Ton père t'appelle en catastrophe. Ma fille, si tu m'aimes, si c'est moi qui t'ai accouché, arrête-moi ça. Ma fille. Ma fille, arrête, arrête. Toute la soirée, là, tu ne dors même pas. Toute la soirée que ton père t'a appelé, là, tu ne dors pas. La soeur ou le frère qui a appelé ton père pour dire ça, il attend pour voir comment tu vas encore te mettre sur tes statues avec ton dos. Comment tu vas encore dire que je suis une reine. Queen, tu fais Queen. Queen Noëlla. Tu fais la photo, tu dis, mets ta couronne chaque jour. Tu fais le selfie, tu fais reine. Les gens là vous guettent. Les membres de famille, ils vous guettent. On parle à ta grand-mère, on sait que tu aimes beaucoup ta grand-mère. Elle t'appelle au téléphone. Noëlla. Oh, elle te dit que j'ai entendu que tu es en train de faire ça, ça, ça. Hey! Ne fais pas que mon cœur s'arrête. Hein? Ne fais pas que mon cœur s'arrête. Hein? Elle te parle, elle te parle, elle te parle.
Tu te rappelles que, ouais, je viens d'arriver en Belgique, je n'ai pas encore les papiers. Je veux que ma grand-mère soit en santé, je veux rentrer la voir, même si elle a mes papiers dans 4 ans. Il faut que je la trouve vivante. Et c'est un oncle jaloux qui te guettait. Ton oncle jaloux là. Ton oncle jaloux là. Ah, j'ai vu qu'elle a tourné la maison de la grand-mère. Elle a mis la douche interne chez la grand-mère. Elle nous laisse, nous les oncles. Elle veut nous montrer que quoi? Tu n'es qu'une petite fille, hein? Tu n'es qu'une petite fille. Nous, nous sommes les fils. Parce qu'elle croit. Elle croit que quand la grand-mère va mourir, elle va lui laisser la concession. Ah. Les gens ont votre macabo. Je suis là ce matin pour vous dire de faire attention. Laissez-leur tout ça. Alors que toi, en soignant la grand-mère, tu te dis que ah, si la grand-mère s'y meurt, je sais qu'ils s'en foutent de leur mère. Ils veulent que la mère meure pour qu'ils prennent finalement la concession. Parce que depuis 10 ans que le père, le grand-père est mort, ils ont hâte que la grand-mère meure. Voilà, Alliance dit que le premier jour qu'elle a commenté sur ma page, tu as encore de commenter aujourd'hui, Alliance. Tu as encore de commenter. Premier jour que tu as commenté, toute sa famille l'a appelé pour dire qu'elle veut déjà entrer dans la sorcellerie. Ah. Tu es sur la page de la sorcière là, hein? Et t'es vu, tu as commenté. Et ils ont fait comment pour savoir que tu commentais? N'est pas tu eux-mêmes ils suivaient, hein? Michel, si tu as payé, tu dois te laver avec le sel. Tu ne te laves pas avec le sel, je vais finir par te rembourser. Lave-toi avec le sel, ça va faciliter l'énergie pour que je te prenne. La personne qui a su que tu étais sur ma page, là, il a fait comment pour savoir? Un jour, une m'écrit, elle me dit que mamie, pardon, supprime mon commentaire. Ou bien bloque-moi sur ta page, je vais créer un autre compte. Un membre de sa famille est venu la voir dans une de mes vidéos. C'était une sœur Ticone qui menaçait ses enfants au pays. Elle allait sur le commentaire de la sœur Ticone. Elle allait sur la vidéo où je parlais des membres de famille qui nous manipulent. Voilà. Elle a fait la capture d'écran. Et dans ce message, elle disait que voilà ma sœur. Depuis que j'ai laissé mon enfant au pays chez ma sœur me fait le chantage. Ma sœur. La sœur a fait la capture. Envoyée dans le forum familial. Voilà comment on expose notre famille sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est ligué contre celle qui avait commenté sur la page. Fais très attention. Dès que tu ne fais plus leur volonté, ils trouvent que tu es méprisante. Et c'est effectivement cela. Tu as créé ton faux compte pour me suivre en paix, évidemment. Parce qu'ils savent que vous dites les vérités qui vont, ça va les déranger. Et dit que te voilà, non. Tu regardes, tu dis que ouais, je ne veux pas que ma grand-mère meure. Mais ils attendent l'héritage. La maison de la grand-mère là, ils attendent ça. Voilà, ta grand-mère t'a offert le terrain, ton oncle ne te lâche plus. On dit même parfois que tu es successeur de la grand-mère, mais ça les dérange. Parce qu'ils savent que si tu es successeur, tu vas avoir une part dans la concession familiale qu'on va diviser. Tu donnes le truc, on envoie la mère à l'hôpital, ça devient des problèmes. Hein? La mère nous laisse. C'est toi qui papa dit qu'elle est malade. Vous êtes dans la même ville que la grand-mère, vous ne la visitez pas depuis. C'est moi qui vais me placer en Belgique pour envoyer l'argent. Vous n'avez pas honte? Votre propre mère, vous ne checkez pas? C'est ça qu'ils vont aller parler pour manipuler les émotions de la grand-mère. Elle t'appelle.
Nadège, j'ai dit que je ne crée aucun compte. Tu cherches les problèmes, Nadège, j'ai dit merci. Les membres de votre famille, là, et parfois, écoutez, Jésus, il arrive quelque part. On lui dit, tes frères et ta mère sont dehors. Ils veulent te voir. Jésus leur dit que qui est mon frère, qui est ma soeur? Si ce n'est celui qui fait la volonté de Dieu. Personne qui fait la volonté de Dieu. Donc si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ne me cherche pas. Et la dame dont je parle, c'est une maman, hein. Elle a au moins 45 ans. Sa fille est dans plus de la vingtaine. Tu vois, quand on parlait de son frère, là, comme ça, c'est que, ah, si je ne lui donne pas, qu'est-ce que la famille va dire? Ils vont me voir comment? Tu sens comment elle est en train de stress. Elle stress. Je dis, ma chérie, relax. Relax. Tu as des personnes qui ne s'occupent même pas de toi, ils s'en foutent de toi en fait. Et ce genre de personne qui veut tellement faire plaisir aux gens. Bonne nuit. C'est le genre de personne, tu es le genre de personne qu'on te. Je vous ai dit au départ, qu'on vient te dire, ah vraiment. On marchait l'autre jour, quelqu'un nous a agressé. Il a volé le sac. C'était avec le sac là qu'on devait. L'argent qui était dedans, on devait acheter telle chose. Du coup, une fois, tu dis que c'était combien? C'était combien? C'était combien? Je vais donner l'argent de ça. Celle qui dit qu'elle n'a pas l'argent pour se soigner, elle a mes enseignements, mais elle n'a pas l'argent. Je vous ai dit que quand vous m'écoutez, si ce que je dis vous plaît, lavez-vous avec le sel d'abord. Et le psaume 35 et psaume 91. Lavez-vous d'abord avec ça. Même dans un an, tu achètes mes produits, ma chérie. Je ne fuis pas, je suis là. Je suis là. Une mère comme toi, tu es là, tu as 50 ans. Il suffit que ton père t'appelle et te manipule. Vous devez être radicaux sur vos choses. Genre, au lieu de rentrer dans la maison familiale, mettez pas en route de marche avec les fous. Un jour, j'ai dormi chez un de mes employés. Je me suis retrouvé à la rue, dans une ville où j'ai au moins 3-4 membres de famille. J'ai veillé à faire 4 jours dans ma voiture. Un jour, l'employé là en rentrant, il dit, madame, venez chez moi. Cet employé avait une chambre. Il a mis la couverture au sol, il a dormi. Moi, j'ai dormi sur le lit pendant 2 jours. Le troisième, j'ai dit que non. J'ai réfléchi, j'avais un ami qui avait un hôtel. Je suis allé lever, j'ai dit que pardon, papa. Même si j'avance seulement l'argent. J'ai fait 10 jours dans son hôtel. Il m'a réduit le prix.
que j'avais dit que moi, famille là, quand elle va mourir, bien sûr, on m'enterrait, ça c'est sûr. Regardez peut-être l'influenceur qui est décédé hier, père son âme. Les gens le pleurent en ligne plus que sa famille. Bon, je ne vais pas dire que sa famille ne le pleure pas. Mais vous allez voir que c'est quelqu'un qui s'est développé une autre famille. Il y a des personnes que dans la vie, tu les rencontres, ils activent des choses en toi que tu ne connaissais pas. Les gens débloquent une dimension de ta puissance. Cet homme, c'était un grand. Moi, je le vois, j'appréciais tout beaucoup son courage. Il était courageux. Et il bossait. Il y a des gens parmi vous que vos enfants sont là dehors. Quand le Ésaïe chapitre 60 dit, regarde, tes fils arrivent. Tes fils arrivent. La nouvelle version de toi. C'est quelqu'un que tu vibres à une dimension qui est papa, papa. Et les gens viennent à toi. Merci Rosiana. Merci Nadej. Chantal, merci. Noëlla, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Vous êtes ma famille. Et c'est vrai qu'on se moque de lui. J'ai vu certaines personnes sur les réseaux sociaux qui disaient que ouais, voilà. Tu as crâné, tes followers là sont où? Certains peut-être ne connaîtront jamais la route de sa maison. Mais il a impacté la vie des gens. Et parfois, vous simplifiez ça. Quand on dit un influenceur, ça veut dire que tu influences la vie des gens. Si tu es dans ta maison d'enfance, tu vas faire le kit fondation. Il y a des malédictions familiales qui te retiennent encore. Je vends un kit qui s'appelle kit fondation. Il y a des petits et des petites là-dedans, quand ils vont voir, donc tu vas toucher leur vie. On dit, ah, Seigneur, si tu ne créais pas Noëlla. Certains d'entre vous remercier Dieu pour ma vie. Je ne vous ai jamais donné 5 francs. Hein. Certains d'entre vous restez, ça vous priez pour moi. Que Seigneur donne la longue vie à la femme là, vraiment. Certains vont vous inquiéter pour moi-même plus que ma propre famille. Soyez très, 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 très prudent. Ah, Amel là, Amel. Je ne sais pas si la petite Amel là. Elle s'est mariée avec le. Oui. Après, ils ont eu deux enfants. Après. On aime simplifier ta vie. On simplifie ta vie. On te minimise. Pourtant, tu l'accordes tellement d'importance. On dit toujours, c'est pas tout le monde qui mérite mon attention. C'est pas tout le monde qui mérite mon attention. Ce n'est pas la bouche de tout le monde qui veut écouter.
faut organiser le baptême. Ouais, il faut que j'organise quand tonton Jean peut venir, non? Ouais, tu sais que tonton Jean, comme il est loin dans tel pays-là, il faut que tonton Jean s'en fout de toi, ma chérie. Tu suis? T'inquiète de ce que ton Jean va penser alors que ton Jean n'est même pas par rapport à toi. Quand tu lui écris, il te répond après combien de jours? Donner tellement d'importance à ces gens-là, tellement d'importance à ces membres de famille. Parfois même tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Ils veulent te critiquer. Hey! Tu vois, le genre d'un coup de tente que quand elle veut te critiquer, elle va te rappeler, elle sort ton livre, ta jeunesse. Oui, tu te rappelles quand tu avais pissé au lit, quand tu avais 4 ans là. Tu as 34 ans aujourd'hui. Après, tu es parti à 12 ans, tu étais sorti pour aller au concert, à la kermesse. Tu m'as pas dit que tu sortais. Hein? Tu as toujours cru que tu étais grande. Je t'ai dit de partir faire médecine, tu as préféré partir faire l'onglerie, que tu vas percer. Après, tu dis que tu vas faire les pages de TikTok. Hein? Quand tu as accouché en 2014, n'est-ce pas, je t'observais. Tout ça pour venir te dire que tu n'aurais pas dû épouser peut-être tel gars, ou bien je ne sais pas. La personne sort tout ton film, tout. Pour te critiquer, peut-être que non. On a cotisé l'agent de la nourriture. Tu ne devais pas envoyer ton agent de nourriture dans le téléphone de maman Jackie. Tu devais envoyer ça par Western Union. Comme ça, je ne vais pas retirer. Ce qu'elle se plaint, donc l'objet de sa plainte, c'est banal. Mais elle va profiter de ça pour te montrer que je ne suis pas contente de toi. Tu vois, tu arrives quelque part, tu sais que bon, on va me gronder. Et pendant les 2 heures de réunion, chaque fois, elle revient sur ça. Oui, tu as préféré aller faire l'enfant avec un vaurien. Hein? Tu as préféré aller. Oui, maman, il n'y a pas de problème. Bah, ouais, vraiment, je m'excuse. Quand elle a parlé, tu n'as même rien dit, par respect. Tout le monde parle. Dès qu'elle reprend la parole, elle revient encore sur ça. Ta mère même dit que t'as non là. Laisse alors. Non. Elle revient encore sur ça. Pardon, ceux qui viennent se plaindre dans mes commentaires là, je vous en prie, arrêtez. Hein. Du même temps qu'on se concentre sur ça pour te consoler. Tu crois que qui ici là n'a pas de problème? Ouais, ça va aller. Ouais, calme-toi. Ouais. Qui t'a fait ça? Tu verras que rien ne t'effrayera. Y a des gens comme ça, vous aimez trop la pitié. Disgusting, like. Partout où tu vas, il faut que tu montres tes plaies aux gens pour qu'on vienne te consoler. Mais lécher tes blessures. On a quitté. J'avais une amie comme ça. Elle arrive quelque part, on est peut-être assis en cause, on est là contente. Elle s'assoit. Au bout de 5 minutes, tout le monde va se concentrer sur elle pour la consoler. Ah, le père des enfants t'a fait ça. Oh, he's so mean. Il est tellement dur. Comment il a pu te faire ça? Comment il a pu te faire ça? Allez vous consoler ailleurs. Moi, je bloque les gens sur ma page. Je bloque. Vous avez suivi. Tu viens dans mon direct, tu dis que tu veux parler à une autre personne, mon frère. Tu es fou. Ou tu es folle. Si moi, je parle avec vous. Je cause avec les... Je bloque moi les gens sur mon live, bien même. Bien même.
Même la Rosine là, tu t'as mis tes blocs aussi. Allez faire vos choses là à côté. Allez vous consoler là-bas. L'esprit de tristesse et de pauvreté là, je ne suis pas dedans. L'esprit qui se plaint, c'est toujours l'esprit de pauvreté. Si on check, tu es pauvre. Emmanuel est pauvre, toi, Rosine, tu es pauvre. Vous deux là, vous êtes pauvres. Et je ne veux pas ça à côté. Moi, je ne veux même pas lire vos messages. Je ne veux même pas lire les messages de pauvreté. Le message du pauvre, ça rend pauvre. J'ai vu une vidéo de Marcos l'autre jour, il disait, conseil aux jeunes filles qui veulent réussir. Ne fais pas l'amour avec un pauvre. Les gens commençaient à crier dans son direct, ah, non, mais il a raison. Moi, je pousse encore plus loin. Ne lis même pas le message d'un pauvre. Y a des gens qui aiment la pauvreté. Ne sais pas sur ma page. Je vous en prie. Ne check même pas les statuts du pauvre. Il est tout là au tapioca tous les jours. Tu vois, quand il fait la vidéo, il montre un peu les murs de sa maison comme ça, sale, gâté. En bas, là, il y a les légumes. Ah, quand même. Pauvreté n'est pas bien. Et c'est vrai qu'au départ, quand on te dit pas de la maison familiale, tu te dis, ah, ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Même pas. Parce que quoi? Tu restes à la maison familiale. L'esprit qui a retenu tes frères et soeurs dans cette maison-là, l'esprit qui a bloqué ta mère, beaucoup d'entre vous qui veulent s'en sortir, vos mamans sont bloquées. Peut-être ta maman est bloquée dans une maison familiale, dans un mariage, elle est bloquée dans une situation. Tu sais que ta mère, là où elle est là, elle n'est pas libre. Et tu repars dans le même environnement où ta mère est. Une fois, j'ai travaillé sur une dame. L'esprit qui l'a bloquée a parlé. C'était la petite soeur, même père, même mère, de sa mère à elle. Cette dame dit que. Elle a bloqué les finances de la jeune fille pour qu'elle ne sorte pas de la maison familiale. Parce qu'à chaque fois que la fille sort, elle peut peut-être prendre sa chambre universitaire. Tac, elle revient. Elle sort un peu. Tac, elle revient. Elle dit que chaque fois qu'elle veut prendre un endroit pour se partir d'ici, je bloque ses finances. Parce que cette femme était partie enterrer quelque chose dans leur maison. Pour bloquer sa mère, c'est-à-dire la grande sœur de celle-ci, et bloquer les enfants. Le père même de cette fille, qui est le beau-frère de la sorcière, le père même a été tué par les soins de cette dame. C'est même pas parce qu'elle t'a accouché. Tu t'occupes d'elle à distance. Même parler trop, parler au téléphone là. Il y a des personnes avec lesquelles vous ne devez pas trop parler au téléphone. Tu sais, quand tu parles avec ta mère, elle se plaint toujours. Parce qu'elle passe le temps dans les réunions avec les mains polies, les mamies Jacquard. Ces réunions ont sur son argent, sur son énergie là. Tu appelles ta mère, tu commences à parler un peu avec elle. Elle va te raconter au moins 50 problèmes. Te parler des gens du quartier que tu avais même déjà oublié. Dans mon quartier où j'ai grandi, j'ai des gens là-bas que je ne me rappelle plus d'eux. Vous sortez de mon sujet, ça ne m'intéresse pas, hein, vraiment. Les pauvres aiment toujours parler des choses qui n'ont pas de sens. Je ne sais pas pourquoi. La pauvreté, c'est un choix. Parce que quand ils regardent souvent comment le pauvre pense, vous aimez parler des choses qui ne sont pas utiles. Voilà ta mère qui te parle. Oui, il y a telle chose. Oui. Est-ce que tu savais que le pambé, j'ai pour le pambé, pour mon champ. Mamie Jacquard est venue prendre mes pambés. Je n'ai personne pour récolter mon haricot. Tu as déjà dit à ta mère depuis longtemps que sors, quitte du quartier, là, tu pars dans l'endroit, je te paye je te mets en location là-bas. Vas appeler ta mère, tu vas parler de temps avec elle, comment? Tu rencontres un homme, tu appelles ta mère.
Ne fais plus l'erreur de lui dire. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta mère. Dès que tu as dit, elle va l'appeler Mamie Jaka, lui dire. Et tu ne connais pas les intentions de cette Mamie Jaka-là. Il y en a même parmi vous, vous rêvez souvent. Tu fais souvent un rêve, tu vois les copines de ta mère. Tu dis, mais attends, pourquoi je rêve de la femme-ci? Pourquoi je rêve de la femme-ci? Certains d'entre eux vous ont attaché. Ils ont attaché votre mère. Maintenant, tu es en train de sortir. Elle n'arrive plus à te checker à travers ta mère. Quand elle demande quelque chose, ta mère dit que je ne connais pas. Et Kassina, elle ne m'a pas dit. Elle tape le ventre de ta mère ne dit rien. Elle connaît que si tu es bien, tu vas faire que ta mère pas t'embête. Tu veux que ta mère la laisse au quartier là-bas. Ah, yeah. Vous ne voulez pas grandir. Vous devez grandir. C'était impératif pour vous. Vous devez grandir. Voilà Edith qui dit, je sais que ma mère m'adore, mais quand je discute avec elle, je me sens plus stressée. Sa copine connaît que si l'enfant là est bien, elle va faire que sa mère vienne en bain. Quand on partait pour préparer ton premier toqué porte, ta mère t'avait pour faire les courses, non? Après, elle s'est gâtée, non? Certains des amis de vos mères là sont des sorcières. Les sorcières sorcières. Elle connaît toute ta vie de A à Z. Elle a une influence sur ta mère que tu ne peux pas contrôler. J'ai rencontré une dame l'autre jour. Elle me dit que oh, avant que ma part ne décepte, qu'on ne se prononce. Moi, je croyais que ce que tu parlais sur Facebook, là, tu parlais seulement pour parler. Jusqu'à ma part de déception, qu'on a appelé à avouer. Je croyais que tu parlais, tu décrivais le film nigérien. Il continue de croire que je suis en train de parler du film nigérien. Ce sont vos vies, les cases dans lesquelles, les boîtes dans lesquelles vous vous enfermez. Vous vous mis dans des boîtes. Détache-toi d'eux et ne te sens pas coupable. Don't feel guilty. Ne te sens pas coupable. Je sais qu'elle parle comme ça vous paraît difficile, non? Parfois, tu vois sur les réseaux sociaux comme ça, tu es une star, on te connaît, on te respecte. Dès que tu peux visiter ta grand-mère au village comme ça, manque de respect, insulte. Tu vois ton oncle là que depuis que tu es petit, il vit chez sa mère. Tu arrives chez la grand-mère, il est là. Il y a même les gens qui, vous devez fuir leur vibration. Quittez à côté d'eux. Quittez à côté d'eux. Ton oncle là que son tout ça passe seulement boire sa petite bière. Il est chez sa mère, il est calme. Tu sens qu'il va mourir dans la maison là. Ce genre de personne qui va mourir, sa mère va l'enterrer. Tu avais fait l'erreur, tu t'appelais déjà reine, non? Tu t'appelais déjà reine. Je suis reine. J'arrive. Naomi! Prends le seau là, tu vas puiser l'eau au puits, tu me donnes. Tonton, je ne puise plus l'eau dans le puits. Naomi est insolente, hein? Elle est venue l'autre jour, voilà comment elle va pas mettre dans le forum familial. Elle est venue lui demander de partir dans le puits, me puiser l'eau.
Tu vois la grosse voiture que j'ai garée là, tonton. J'ai donné l'argent pour mettre le forage ici, là, vous avez mangé. J'ai donné l'argent pour tirer l'eau de la snack, vous avez mangé l'argent de l'eau là. Maintenant, elle vient, tu m'envoies au forage, tu m'envoies puiser l'eau, puis. Naomi, elle est insolente. Hein? Elle est venue ici l'autre jour, elle m'a manqué de respect. Mais c'est pas que je suis le grand frère de sa mère. Est-ce que tu as même alors le temps? Ne paie même pas ton temps pour leur expliquer que j'ai pas. J'ai envoyé l'argent du forage, ils ont mangé. J'ai envoyé l'argent pour tirer l'eau. Pour payer un compteur, ils ont mangé. Prenez même l'eau chez le voisin. Le gaz est fini. J'ai envoyé l'argent mensuellement pour que la mère achète le gaz. Tu veux qu'elle pas t'allumer le feu de bois pour chauffer ta nourriture? Tonton, même ma propre nourriture, ce sont mes bonnes qui font ça pour moi. Tu suis tonton. J'ai les ménagères qui ne peuvent pas la nourriture pour moi, tonton. Je me vois en train de casser le bois alors que je vous donne de l'argent pour ça. Tu as mangé. Voilà. Que Noël va écraser les arachides. Oh, c'est Dieu. Que va écraser les arachides. Que c'est la taille de tes cils qui va répondre. C'est des enfants insolents comme ça là. Des enfants insolents comme ça. Hein, Noël, là, tu es insolente, hein? On te rabaisse. Alors que là où tu es là, tu as même déjà deux ménagères. Tu viens à la réunion familiale avec la nounou de tes enfants. Quand on fait la réunion pendant que les enfants pleurent, tu dis non, la nounou va s'en charger. Hein? Oh, doc, oh. Doc, doc, doc. On t'apprend. On t'appelle Blanche. On dit que tu deviens la Blanche. Que tu veux nous montrer que quoi? On voit comment tu te mets mal. Mamie, je vous ai déjà dit que vous devez louer même la voiture. Va louer la voiture de 30 000 la journée. Voilà la réunion familiale. Ne pars pas avec ta nouvelle voiture, ma chérie. Construis ta maison là où c'est loin. Pour que quelqu'un arrive chez toi, hein, il faut qu'il vienne vraiment. Il faut que son intention était de venir chez toi. Ce n'est pas par erreur qu'il vient chez toi. Oui. Tu vois, après Japomala, non, va construire là-bas. Tu dois sortir de Douala, tu dois rouler encore. Oui, avant de venir chez moi. D'accord, c'est ça. Ce n'est pas que tu passais pour aller chez telle personne avant que. Le bus ne peut pas te déposer en route pour que tu viennes chez moi. Donc, si tu pars à Yaoundé, tu pars à Yaoundé. Tu ne peux pas venir chez moi par erreur. Loue la vieille voiture pour partir. Y a même des gens de ta famille qui ne doivent pas savoir que tu es bien. Poursuivez. Ils doivent savoir ou croire que tu souffres encore. On dit réunion familiale, tu envoies l'argent. Je serai occupé. Tu envoies l'argent. Ils vont boire les bières, ils vont t'oublier. Seulement le fait d'aller te mélanger. Il y a des familles comme ça où tu es que la seule qui essaie de s'en sortir. Bonjour le roi Nestor. Il y a des familles où tu es la seule qui essaie de se tirer la tête de l'eau. Dans la réunion familiale, il y a au moins quatre oncles que tu leur as donné un fonds de commerce et ils ont bousillé. Tu as même pris leur CV, tu es parti trouver le travail quelque part. Ils n'ont pas conservé le travail. Tu prends un petit taxi course pour aller au deuil. Dans les compliqués, quartiers compliqués. C'est pas qu'on voit ta voiture de 32 millions. Non, tu prends le taxi, on te toise. Tu prends le taxi course pour aller au deuil avec on te toise.
Ah, cachez-vous, pardon. Cachez-vous. Certains de ces membres de famille, vous n'avez pas besoin de les visiter. Vous n'avez pas besoin de les visiter. Pas besoin de les visiter. Tout cas, si tu as compris, c'est bien. C'est que quand vous regardez les vidéos, c'est là que vous pensez que moi, je pratique ce que je vous dis. Je pratique ce que je l'enseigne. Et il y a même des gens que quand ils t'écrivent, ton corps pèse pour aller leur répondre. Voilà, j'ai l'impression que tu l'as bloqué. Maintenant, j'ai appris à quantifier mes relations. Genre, quand tu m'écris, pourquoi est-ce que je te réponds? Il y a quoi entre nous deux? Tu as pris la moto course pour aller d'un village à l'autre pour faire ton saraka. Ça a énervé ton oncle. Quand tu écris ça, je te dis que la personne s'y me sert à quoi? Parce qu'il y a des personnes, quand tu réponds seulement bonjour, tu te sens mal. Et seulement ton bonjour, j'avais, oh ouais, il y avait les enfants, l'enfant est malade là. Il a le palu. Dis bonne guérison. Parce qu'il dit comme ça pour attendre que tu donnes quelque chose. Que tu dises que l'hôpital a demandé combien, tu as dépensé combien pour ceci. Ces personnes, jamais, ne veulent pas ton bien. C'est toi qui forces. Je peux pas quand même abandonner ma scène. Il fait faire carrière. M'en fous là-bas. Attention. Tout c'est l'énergie. Vous avez dit qu'il y a les commentaires que je ne veux pas lire. Tu écris ton voisin, je te bloque. Mais pas sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment le pouvoir sur ce téléphone. Vous savez, vous faites, vous permettez, les gens vous font. Tu dis, mais je ne sais pas pourquoi que je suis à côté de la personne là. Je ne sais pas pourquoi. Non, 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 non. C'est ton esprit qui est en train de te parler. Que la personne a te fait rentrer en arrière. La personne a te fait te voir toujours comme une petite fille. La personne a te fait te douter de toi. Coupez-les. Bloque. Il y a même des gens que quand je vois qu'ils ont vu mon statut, hey, ils ne veulent même pas que tu me voyes. I don't want you to see me. Je veux pas que tu me voies, je veux pas que tu voies que je suis bien, je veux pas que tu voies que j'ai mangé aujourd'hui. Y a des gens qui se vendent leur nom, la lecture de leur nom, ça me fait un jage, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas lire ton nom. Je veux pas te. J'ai une tante comme ça. Un jour, je ne sais pas comment, j'ai update mon Gmail. Donc, tous mes anciens contacts, déjà de cela 5-6 ans, sont revenus sur mon téléphone. Le jour-là, j'ai posté un statut, elle a vu. Hey.
Quand j'ai vu son nom dans les gens qui ont consulté mon statut, comment j'ai sauté ce matin. Hey! Je suis allé vite l'enlever de mes contacts. Que même par erreur, mon doigt ne doit pas composer ton numéro. Les gens qui mettent les mauvaises vibrations en vous. Je veux pas. Je veux pas penser à toi. Je veux pas une image. Non, non, non. Je veux t'oublier. Quitte de ma vibration. Quitte de ma tête. Quitte de mon téléphone. Je ne veux pas que mes ennemis me voient progresser. Ne me voyez pas. Pensez que j'ai échoué. Voilà. Pense que j'ai échoué. Comme ça, tu vas bien. Moi, je vais bien. Tu es dans ta galère. Tu as mandé à mon agent. Je vous donne le message qu'on m'a envoyé vous donner ce matin. Vous voyez que le direct à 5h15 comme ça là. Ces personnes-là, il y a des mauvais esprits qui vous attachent à travers vos membres de la famille. Seulement le fait que vous les écoutiez, le fait que vous voyez leurs photos, le fait que vous leur parliez. Eckhart Tolle, il appelle ça des pain bodies. Eckhart Tolle, c'est un homme spirituel allemand comme ça. Il appelle ça des douleurs de corps. C'est comme des petites douleurs que tu ressens sur des parties de tes bras ou de ton estomac. Et ça, c'est quand tu penses à quelqu'un ou à une situation. Peut-être il y a une tante, peut-être quand tu penses à elle, dès que son image vient à ta tête. La tante là qui te tapait trop quand tu étais petit là. Dès qu'on parle, on prononce son nom. Tac! Ça envoie ton corps fait un jar. Ton corps comme ça là. Voilà. C'est carrément des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu ne te rendais pas compte que c'était là. Et quand ça arrive, tu commences à stresser. Peut-être tu vas commencer à gronger tes dents. Tu vas commencer à. Je ne sais pas, tu vas commencer à faire un genre. C'est ce qu'il y a dans ton corps depuis quand tu étais petite, ta tante là te tapait. Quand tu avais 3 ans, elle te tapait. Quand tu faisais un truc, elle te tapait là. Cette douleur là, tu as porté ça jusqu'à 48 ans aujourd'hui. 35 ans, 38 ans. C'est encore dans ton corps, c'est dans ta mémoire. Donc avant de les oublier, tu dois leur pardonner. Tu les pardonnes et tu les libères. Nous prenons son nom et je te pardonne et je te libère. Je te pardonne, je te libère. Et tu ajoutes aussi que je libère toute émotion négative que tu as mis en moi. Toute émotion négative que tu as mis en moi. Parce qu'il y en a qui sont. Ils ont des paroles très. Imagine peut-être un oncle qui faisait peur à ta mère. Maintenant, toi, tu as grandi avec ta mère, mais en ayant peur de cet oncle. Peut-être ta mère n'est plus aujourd'hui. Mais cet oncle est encore là. Inconsciemment, cet homme-là, tu as peur de lui. Voilà. Donc, passez une bonne journée. Ceux qui ont ça, il y a le kit fondation que vous pouvez prendre. Ça va vous aider pour les malédictions familiales. Pour briser cela. Déclare que vous pardonnez et vous relâchez tout membre de votre famille qui vous faisait du mal. Je déclare que vous êtes libre de toute influence extérieure maléfique. Je coupe les cordes maléfiques qu'il y avait entre vous et les membres de votre famille. Je déclare qu'on ne vous associe plus dans le physique ou dans le spirituel de façon négative aux membres de votre famille pour vous faire du mal. Je restaure votre futur, votre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Naomi dit, hier tu as causé avec ta soeur, après tu t'es senti gêné d'avoir causé avec elle. Oui, une conversation c'est un échange d'esprit. Tu donnes ta part, tu prends pour elle. C'est comme ça.
C'est pour ça que tu te sentais mal. Certains d'entre eux, vous êtes en train d'avancer. Si tu m'écoutes une fois par jour au moins, ton esprit est en train d'avancer. Tu es en train de prendre la vitesse. Que ce soit ton copain, que ce soit les membres de ta famille qui n'écoutent pas ce que je dis généralement, vous allez voir qu'ils vont rester en arrière. Vous allez avoir l'impression d'avancer trop par rapport à eux. Vous êtes en train de prendre votre place. Tu vois un peu quand tu supposons tu marches avec un groupe de personnes, tu t'arrêtes pour attacher tes lacets et ils continuent d'avancer. Quand tu te relèves, tu dois avancer rapidement pour les rattraper. Sinon, tu seras en retard par rapport à eux pour tout le chemin, le restant du chemin. Donc vous, quand vous m'écoutez, vous reprenez votre place que vous aviez au départ, mais que vous avez perdue. C'est pour ça que les gens ont l'impression que vous avancez vite. Parfois, on te dit que tu es trop pressé. Donc, tu es dans une période de restauration, c'est tout. Voilà. Donc, bonne journée. Bye bye.